Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour de nouvelles révélations. Des sorciers se sont transformés en cafards chez lui. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que pour cela? Écoutons son témoignage. Je suis ivoiro-gabonais, j'ai grandi des deux côtés, en Côte d'Ivoire et au Gabon. L'histoire que je vais raconter, c'est plus du côté ivoirien. J'ai le petit frère de mon. Le grand frère de ma maman. Tonton, bon, je vais donner un nom comme ça, Tonton Hugues. Donc, Tonton Hugues, en fait, c'était un tonton. C'est un tonton qui était super intelligent à l'époque. Pas à l'époque, mais il a toujours été intelligent. Mais il n'a malheureusement jamais eu de travail. Tu vois? Donc. C'était nous, ses neveux, on était en fait, genre, comme ses élèves en fait de maison. Ils nous prenaient, ils nous faisaient des cours de soutien à la maison, bien tranquille quoi. Jusqu'à ce que, bon, on a commencé à grandir, nous sommes allés à l'université, d'autres ont commencé à bosser et tout. Mon oncle, lui, il a pris un peu de l'âge et tout. 2020, l'histoire commence à partir de 2020, pendant la crise, la Corona. C'était un soir, parce qu'en fait, il buvait l'alcool, il n'avait pas de travail, il chômait, donc il buvait l'alcool. C'était vraiment catastrophique, tout le monde se plaignait, mais bon, on passait dessus. Donc, un soir comme ça, je cherchais ma maman, j'étais au salon, je cherche ma maman, mais attends, ma femme, elle est partie où? Elle est passée où? Donc, en partant dans la chambre de mon tonton, je vois mon tonton en train de parler seul. Donc, je ne comprends pas, je dis, mais, aïe, tonton, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas donné de réaction, il n'a rien fait, mais il parlait seul après. C'est comme si il est revenu en lui, il me dit, hey, tu fais quoi ici? Il dit, ah, je cherche maman, en fait, je ne l'ai pas trouvée, il me dit, non, elle n'est pas ici, il faut sortir. Je dis, bah, ok. Moi, maintenant, je devais balayer le salon. Donc, je vais à la cuisine pour prendre, comment on appelle ça, le balai pour venir balayer le salon et tout. Je faisais ça. Je pars à la cuisine DMJ. Dans la cuisine, je ne sais pas d'où sortent tous ces cafards. Il y avait vraiment beaucoup de cafards dans la cuisine. Des cafards qui volent là, ils étaient non. J'ai eu la chair de poule. Donc, je vais à la cuisine. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai eu peur. Je cours. Je sors en fait de la maison. Et là, je vois ma maman. Je dis, maman, dans la cuisine là-bas, il y a beaucoup de cafards. Elle me dit, comment ça? Donc, dès qu'elle rentre. Elle a la chair de poule, elle referme. On va chez les voisins demander l'eau bénite parce que nous, on n'avait plus d'eau bénite. Donc, on est parti chez une voisine, on lui a expliqué l'histoire. Il dit, ah, prenez l'eau bénite, allez-y verser là-bas et puis priez. Moi, je suis chrétien, mais je vais dire quoi, je ne prie pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ce jour-là, c'est comme si, toutes les fêtes, c'est comme si j'étais, tu as pensé que j'étais pasteur même en fait. Je suis parti prendre l'eau bénite chez la dame, je rentre dans la cuisine. Ma mère me dit, ne va pas, je vais faire. Il dit, non, moi-même, je ne vais pas t'y faire. Je m'en vais dans la cuisine, je fais l'eau bénite, je commence à prier, je commence à dire, ils sont vaincus au nom de Jésus, ou ils sont, ce qu'ils sont venus chercher, c'est là, ça n'aura pas lieu. Je commence à prier, prier, prier. J'ai peur, mais je prie quand même, et je fais l'eau bénite dans toute la cuisine, sous les ampoules, les assiettes, partout, et je suis sorti en courant. DMJ, en fait, 10 minutes sans rentrer dans la cuisine. Quand on rentre, pour moi, ils sont tombés peut-être au sol, machin, ils sont morts, ils sont tombés au sol, mais DMJ, quand je rentre dans la cuisine, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de cafard. Jamais eu de cafard. J'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Vraiment, j'ai eu peur. J'ai dit, mais attends, je n'ai pas compris. Donc, toute la nuit, juste là, je réfléchissais toute la nuit. J'ai dit, non, mais ça, c'est pas possible. Bon, après, c'est resté comme ça. J'ai laissé tomber. Mais mon oncle, depuis ce jour, commençait à vraiment être malade. Jusqu'à ce que moi, je parte. Moi, je viens à Dakar. Comme actuellement, là, je suis à Dakar pour les études. Je viens à Dakar en octobre. Et j'ai laissé mon oncle malade, mais vraiment pas à un point du genre trop grave. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais pour mes études et tout. Quand je vais rentrer, je serai en vie. Donc, tout ça, c'est en 2020. Je suis à Dakar en octobre 2020. Décembre 2020, le 31 décembre, je me suis réveillé à 10 heures. Je vois beaucoup d'appels en absence. Je dis, mais pourquoi maman m'a appelé comme ça? Je décroche. Je la rappelle, en fait, autant pour moi, sur WhatsApp. Je dis, ah, maman, je viens de me réveiller, tu m'as appelé. 31 décembre, comme ça, tu m'appelles à quoi? Ou? Elle me dit, hé, hey, Loïco, ton truc est mort. Ton tonton est mort. Donc, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit non, c'est pas possible. Il est mort de quoi? Elle me dit, ah, on ne sait pas. Elle m'a fait comme ça, se réveille. Il a comme ça, agonisé à l'hôpital, tout. Donc, j'ai vraiment, DMG, je te dis que j'ai tellement eu mal parce que c'était mon tonton, en fait, avec qui j'étais vraiment proche depuis que je suis petit. J'ai tellement eu mal. Ça fait que j'ai pas vraiment digéré, en fait, le fait qu'il soit mort. Mais bon, après, les jours sont passés. J'ai fait mon deuil. Je pensais que j'avais fait mon deuil, mais j'avais pas fait mon deuil parce qu'à chaque fois, même avant de bosser ici, je pense à lui. Je me suis dit, mais s'il était là, voilà. Après, 2021 est passé, bien tranquille. 2022, début 2022, j'ai ma cousine en fait qui vient vivre avec nous tranquille. Ce jour-là, c'était un après-midi, elle était à l'école. Moi, j'étais couché au salon, j'avais fini de faire le ménage et tout. J'étais couché, je voulais me reposer. Dans me reposer, je n'ai rien compris, j'ai commencé à dormir.
vraiment un sommeil, vraiment, je ne sais pas, je dormais même. Et dans le rêve, là où je dors, là, c'est là où j'étais en fait dans le rêve. Mais ma petite soeur qui quitte de l'école, mais ça c'est dans mon rêve. Elle quitte de l'école, elle cogne. J'ai dit, ah, dans mon rêve, hein, je suis toujours couché. Mais dans le rêve, genre, je me réveille en même temps, genre, je suis saute en mode, qui est là, qui a cogné? Elle me dit, ah, c'est moi, je viens d'arriver. Elle dit, ah, bon, je vais donner le nom à ma petite soeur, ça fait peut-être Sandrine. Voilà, je donne Sandrine vite fait. Elle dit, ah, Sandrine, c'est toi? Elle me dit, oui. J'ai dit, ah, ok, d'accord, je viens, j'ouvre la porte. DMJ, je te dis que j'ouvre la porte. Avant d'ouvrir la grille, je la vois, mais derrière elle, je vois mon tonton. J'ai pas compris, j'ai dit non. J'ai dit, Sandrine, tu fais quoi avec tonton derrière toi? Elle me dit, quel tonton? Pardon, Loïc, ouvre, moi je veux rentrer, je suis fatigué, je veux me reposer. J'ai dit non. Lui qui est derrière toi là, il est mort. Moi, je ne trouve pas la porte. Va où tu l'as pris, tu le laisses là-bas et tu le réveilles. Sinon, tu ne vas pas rentrer dans cette maison et j'ai refermé la porte DMJ. Je suis fatigué de me coucher. Dès que je me suis couché, en même temps, ma petite soeur est venue. Donc, c'est la réalité maintenant. En même temps, la porte, on cogne à la porte. Donc, je me réveille en sursautant et j'ai la chair de poule. J'ai peur d'ouvrir la porte. Je demande, c'est qui? Elle me dit, aïe, c'est moi, je veux rentrer. Elle dit, non, tu es avec qui? Elle me dit, aïe, avec qui comment? Donc, j'ouvre la porte et là, je me rends compte que là, je me suis vraiment réveillé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je l'ai fait rentrer, je l'ai expliqué ça que voilà, j'ai vu tonton derrière toi dans mon rêve et tout. On m'a dit, ah, donc ça en fait comment on l'explique à maman, j'explique à ma maman, mais j'ai jamais eu de réponse. Je vous dis en fait que mon tonton, je ne l'ai pas vraiment oublié parce que c'était un tonton avec qui j'étais vraiment proche. Et la même année, encore 2020, je crois, un mois après, j'ai fait un rêve, l'histoire est bientôt finie. Un mois après, je fais un rêve, DMJ, je dors. Dans mon rêve, il y a mon tonton. J'ai tonton de discuter avec mes amis, genre dans le quartier, on jouait vite fait, on discutait. Ma mère était à la maison. Il y a mon tonton qui vient vers moi. Il me dit, Loïco, trouve ta maman. Je l'appelle Loïc. Il me dit, Loïco, trouve ta maman. J'ai quelque chose à vous dire vite fait, je n'ai pas assez de temps. Il dit, aïe, mais je trouve maman, elle est dans la maison, il faut aller l'appeler. Il me dit, non, toi, va l'appeler parce que je veux vraiment vous parler. J'ai quelque chose à vous dire avant que je ne parte vite fait. Il dit, aïe, tu t'en où? Tu vas voyager encore. Comme ça, genre, comme il avait l'habitude de voyager aussi souvent. Il me dit, non, mais va vite appeler ta maman. Donc, je cours. J'appelle ma maman. Ah, maman, viens, tonton veut nous parler. Ah, il veut nous dire quoi? Donc, on s'assit en bas d'un arbre. Dès qu'on s'assoit, net, il dit, ah, tonton, voici maman qui est là pour nous parler. DMJ, dès qu'il a voulu commencer à parler, il a disparu devant nous et je me suis réveillé automatiquement. J'ai eu peur, je ne sais pas à qui je vais demander, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que mon oncle voulait me dire. Jusqu'à présent, c'est resté comme ça et puis, il s'est resté comme ça. Donc, j'ai toujours voulu savoir, toujours voulu avoir de réponse, mais j'ai jamais eu de réponse en fait. Et j'arrive toujours pas à faire mon deuil parce que je pense toujours à lui. Donc, voilà, c'était mon histoire un peu. Waouh, vous avez vu ça? C'est incroyable. Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien, nous allons écouter encore une histoire de sorcellerie. Je voulais vous raconter l'histoire d'une cousine à moi qui est sorcière, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est la fille de mon oncle. Donc, mon oncle, lui, il avait eu une première femme avec laquelle il a eu trois enfants, mais ils se sont séparés par la suite. Donc, quand il s'est séparé de sa première femme, il a épousé une deuxième femme qui est là actuellement. Il est arrivé un moment où la deuxième femme est gravement tombée malade. On ne savait même pas qu'elle allait s'en sortir. Donc, et ils sont allés d'hôpital en hôpital, de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, et on n'a pas eu gain de cause. Donc un jour, on a un autre oncle qui est dans les pratiques traditionnelles là. Donc c'est lui qui était allé leur rendre visite comme ça un jour. Et il est tombé dans la situation, il a vu l'état dans lequel la femme de l'oncle était. Donc c'est là maintenant. Et il a dit à son frère, mon autre oncle là, le père de ma cousine là, que de bien regarder, qu'il n'a qu'à savoir que le problème de sa femme ne vient pas de loin. Le problème vient de la maison. Le problème même est dans sa maison. Donc l'oncle ne voulait pas lui dire exactement que c'était sa fille qui était à la base de la maladie de sa femme. L'enfant qui est à la base de la maladie de la femme, là, c'est l'enfant de la première femme, en fait. L'enfant de la première femme qui est partie. Donc, elle est dans l'association des sorciers de leur village. Et c'est là maintenant quand mon oncle a mis pression sur l'autre frère.
le frère lui a avoué que en fait c'est sa fille qui est à la base de la maladie de sa femme. Donc ils ont attaqué la petite et ils l'ont interrogée. Donc elle a fini par craquer, elle a fini par avouer. Donc elle a commencé par expliquer comment est-ce qu'ils faisaient leur voyage nocturne. Mon oncle a une vieille moto, une moto qui ne fonctionne plus. Donc il a garé ça dans la cour de la maison. Jazz, là, c'est avec la moto là que la petite là fait son voyage la nuit, la moto gâtée là. Donc elle prend la moto là la nuit pour faire ses voyages, pour aller en réunion avec. Donc la nuit, pendant que tout le monde dort, elle se lève, elle voit mystiquement, elle prend la moto, elle voyage, elle fait son voyage avec. Donc au finish, ils ont fini par délivrer la petite là. Ils l'ont amenée chez un prêtre exorciste qui a prié pour elle et il l'a délivrée. Mais bon, et de temps en temps, elle a des comportements vraiment bizarres. Mais bon. Et il semble qu'elle ne fait plus les voyages nocturnes là. Et la tante aussi s'est retrouvée, ses activités marchent à merveille actuellement. Donc, c'était ma petite histoire. Si le temps me permet, je vais encore revenir pour une autre histoire, pour encore une autre cousine. Waouh! Les cousins et les cousines sortent au bal. Ok, nous écoutons encore le témoignage. Aujourd'hui, c'est moi qui voulais vous raconter l'histoire de l'arbre. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Voilà. Et je disais que quand j'étais petite, il y a l'arbre qui m'a parlé quand j'étais petite. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, on était chez nous, les enfants n'avaient pas droit d'aller dans les toilettes parce que mon père voulait pas que les toilettes se salissent. Et donc, derrière la maison, on a creusé un grand trou. Et c'est là-bas que les enfants allaient faire. Ils allaient dans les toilettes, mais c'était juste à côté d'un grand trou. Et un jour, j'avais très mal au ventre. Et mon père, il m'a réveillée. J'ai réveillé mes parents. J'ai dit qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Et il était 5h, 6h du matin comme ça. Et je suis allée derrière la maison. Et c'était juste à côté d'un arbre. Et au moment où j'enlevais mon caleçon, il faut m'excuser si je dis le terme, j'enlevais mon caleçon et au moment où je voulais commencer net, l'arbre m'a dit, petite fille, lève-toi de là. Il m'a même dit dans mon ethnie, avec une voix forte, il m'a dit, petite fille, lève-toi de là. Et comme j'étais un peu effrontée, moi je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, lève-toi de là. Il a grondé. Et en ce moment, mon ventre qui me faisait mal tout le temps, et je me suis levée, je me suis retenue. Ce que je voulais faire, je n'ai pas fait. Et je suis venue, j'ai dit, papa. Maman, parce que il était 5h, 6h du matin, j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui m'a parlé. Je crois que ça venait de l'arbre. Parce qu'il a même parlé à mon ethnie. Je suis ivoirienne. Il a dit en atié, il m'a dit, lève-toi de là. Et on a cherché l'arbre. L'arbre, il n'y avait que l'arbre au moment où ça s'est passé. Mais jusque-là, j'ai été intriguée. Et j'ai dit, mais comment un arbre peut parler? C'est bizarre, quoi. Et après, j'ai grandi. Et là, je suis en France ici. Mais un jour, je dormais et j'ai rêvé. J'ai rêvé et j'ai encore. Mais avant que je ne rêve, il y avait des gens. Je partais à l'église et les gens sont partis à Jérusalem. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont dit il y avait des arbres qui leur parlaient. Et quand ils donnaient le témoignage, il y avait ma soeur qui était à côté, m'a dit, ah, c'est comme toi maintenant, c'est l'arbre qui parle aux gens. Et tout ça, j'ai pas fait attention à ça. Et après, ici en France, un jour je dormais, je rêvais, et il y a les arbres, un arbre qui me parlait encore. Il m'a dit, il connaissait toutes les personnes qui vivaient dans les quartiers, c'est-à-dire, quand il y a un jeune qui vient d'arriver, quand il y a quelqu'un qui est nouveau dans le quartier, ils les connaissent tous.
Et des fois, ils font du mal aux jeunes, surtout ceux qui sortent la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 4h du matin, ils peuvent gâter leur destinée, c'est-à-dire les rendre comme quand ils ne réussissent pas et tout ça. Ça peut être, eux, ils peuvent avoir ce pouvoir de le faire. Et c'est comme ça. Mais je ne croyais pas toujours pas à ça. Et puis après, j'en ai parlé encore avec ma sœur. Et ma sœur a dit que c'est vrai que les arbres sont vraiment très mystiques. Dans les villages, les réunions des sorciers et tout ça, ce sont les arbres qui... les gens, ils se réunissent dans les arbres pour faire les choses mystiques. Ils prennent un arbre dans un village et c'est dedans que souvent ils ont les destins des gens. Il y a des arbres qu'on ne coupe pas parce que les sorciers, des fois, ils agissent de façon mystique. Des fois, ils gardent même les gens quand ils vont marabouter. Ils font donc... des fois, il faut faire très attention. C'est mon histoire, vraiment. Je ne sais pas si on peut me croire ou pas, mais c'est vraiment arrivé. Voilà, DMG, c'est mon premier live. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, écoutez encore le témoignage. Mon histoire, c'est la suivante. En fait, ça concerne déjà les maris de nuit. Les maris de nuit. Les maris de nuit, en fait, c'est quoi? C'est déjà... on te donne un mari de nuit. Et je crois que j'ai l'écho. Hein. Ah. Non, je pense que c'est bon ici. Hein. D'accord. En fait, ça concerne les maris de nuit. Les maris de nuit, c'est quoi? Les maris de nuit, ce sont des gens qu'on envoie pour vous faire, pour faire les bails avec vous dans vos rêves. Et puis, ils ne sont pas réels. Soit ce sont des personnes déjà mortes, soit ce sont des personnes fictives, en fait. Et lorsqu'on donne un mari de nuit à une personne, c'est généralement une personne qui est destinée à un grand avenir, une personne qui a, je vais dire quoi, une personne qui a une étoile. Et c'est pour la voler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une fille qui est venue me conter son histoire, mais je n'ai pas voulu poster tout sur ma page parce que bon, ça devait un peu effrayer les gens. En fait, la fille en question m'a envoyé les preuves à l'appui. En fait, ça fait plusieurs années, depuis qu'elle a l'âge de 18 ans, elle a un mari de nuit. Chaque jour, elle lit l'heure. Le gars fait les choses avec elle, il fait les choses avec elle. Jusqu'à le matin, elle se lève et voit les traces qu'on a fini de faire. Je ne veux pas dire les mots ici pour essayer, pour ne pas bloquer le live. En fait, on fait les bails avec elle. Jusqu'à elle verse, elle crie. Elle se lève le matin, elle a encore les sensations, elle a même les griffes du gars. Le gars la tape même. Il tape, il griffe. Ça fait 18, donc depuis qu'elle a 18 ans, aujourd'hui elle a plus de, je crois, elle doit avoir 24 ans comme ça. Et puis le gars a fait les bails avec elle et puis il a enceinté la fille dans les rêves. Maintenant, après avoir enceinté la fille dans les rêves, rien ne marche plus. Ça fait 3 ans la femme est enceinte, 3 ou 4 ans qu'elle est enceinte. Et son ventre est gros jusqu'à aujourd'hui en fait. Ça veut dire quoi? Le gars, elle a eu les relations avec le gars dans le sommeil, dans les rêves, et puis elle a eu un enfant de rêve. Et lorsqu'on a un enfant de rêve, c'est fini, c'est la malédiction. Et ce sont des choses qu'on peut bloquer généralement. Mais pour elle, elle a négligé, elle se disait que ce sont des rêves, c'est rien et tout. Et puis elle a négligé au fil du temps. Son ventre est gros jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter. Elle m'a envoyé les preuves sur Instagram. J'étais choqué. Moi-même, je n'ai rien pu faire. Moi-même, j'étais dépassé, ça m'a dit qu'il faut aller au village. Parce qu'à ce niveau-là, c'est d'un haut niveau, ça me dépasse. Donc, je veux pas là dire par cette histoire que si jamais quelqu'un a peut-être déjà un problème avec l'éthique du mari des rêves, il faut pas négliger. Il faut déjà traiter ça à la source avant que tu n'aies un enfant avec ça. Parce que si tu as ça, sache que c'est fini pour toi. Ce n'est qu'une question de seconde, tu vas mourir. Donc, éviter les maris de nuit et chercher à remédier à cela. Ok, gars, c'est tout, c'était mon histoire. Incroyable! Mais ouais, vous avez entendu ça? Hein? Bien, nous allons écouter encore le témoignage, une histoire hors du commun. C'est l'histoire d'une jeune dame que j'appelle Sarah, qui avait deux enfants, une fille et un garçon. Mais célibataire, elle vivait avec sa maman à Abidjan. Donc comme les choses ne semblaient pas s'arranger pour elle, et en plus, c'est un suite de rencontres qu'elle a fait la connaissance d'un monsieur, un blanc, un français, qui avait quand même des moyens. Et le monsieur est venu l'épouser en Côte d'Ivoire et il l'a fait partir. Bon, il l'a fait venir en France, quoi.
Donc, quand elle est arrivée, après la procédure au regroupement familial, du coup, elle a fait venir ses deux enfants, une fille et un garçon. Donc, quand elle est arrivée avec les enfants sont arrivés en France ici, les choses ont commencé à se compliquer. Même au niveau du monsieur. Le monsieur avait un bateau. Du jour au lendemain, le bateau a commencé à tomber en panne. Quand il va à la réparation, il revient, le bateau tombe en panne. 3-4 fois comme ça. De telle sorte que le monsieur, finalement, il a décidé de vendre ce bateau-là et d'en prendre un autre. Et même le nouveau bateau encore, c'était pareil. En même temps, la dame aussi, à son niveau, tellement tout était compliqué, elle a commencé à prier. Et c'est dans ça, une fois, il y a une révélation qui est sortie, comme quoi son fils était dans la sorcellerie. Et l'enfant, il est vraiment passé aux aveux. Il a dit que c'est la maman de la fille, c'est-à-dire leur grand-mère Abidjan, qui les a initiés. Et que depuis, ils agissaient dans la vie de Sarah. Mais comme Sarah avait commencé à prier, du coup, ses prières dérangeaient un peu à la maison de tout le monde. C'est ainsi que sa maman a laissé que les papiers du mariage, du visa, tout ça, là, ça sorte. Donc maintenant, comme elle est arrivée en France, elle a chargé les enfants. Et quand les enfants aussi sont arrivés en France auprès de leur maman, là, ils ont commencé à tout gâter. Et l'enfant, le petit garçon, il avoue que c'est lui qui partait chaque fois faire pipi dans le moteur du bateau de son beau-père, de sorte que ça se gâtait. Et il gâtait même l'entreprise du monsieur, avait commencé à avoir des difficultés. Maintenant, ce qui va les choquer, c'est quand le petit garçon va dire qu'il a commencé à initier certains enfants de son école. Il a même cité des noms. Donc, dans la peur, on est dans le pays des Blancs, même si on dit que les Blancs ne croient pas à la sorcellerie, ils sont pourtant aussi mystiques. Hein. Donc, du coup, ils ont fait rapatrier le petit garçon à Abidjan. Mais il restait maintenant la petite fille. Donc, selon eux, dans leur entendement, en faisant rapatrier l'enfant en Côte d'Ivoire, les choses allaient s'améliorer. Mais non, c'était devenu encore pire même. Une fois, Sarah est partie, elle était à l'église un dimanche. Au moment où elle est en train de se déshabiller, elle veut sortir son cou de son pull col roulé. Son collier qu'elle avait porté là a serré son cou, moins un, la femme mourait. Elle a commencé à crier dans la maison. Et malheureusement, surtout là, son mari n'était pas là. Mais elle ne sait pas comment elle s'est arrangée pour pouvoir se sortir de la situation. Mais on voyait même sur son cou, le collier qu'elle avait porté, là, on voyait que le collier était en train de l'étrangler réellement. Donc elle a commencé maintenant, elle aussi, avec son église, elle a commencé à prier. Et ça, on va encore lui dire qu'effectivement, sa fille qui est restée auprès d'elle, là, sa fille était dans la sorcellerie. Bon, on demande à la fille, la petite dit qu'elle ne se reconnaît pas dedans. Donc un jour, la petite commence à tomber malade, la fille de Sarah commence à tomber malade. On l'envoie à l'hôpital. Les Blancs à l'hôpital ici, ils font tous les tests, donc il se trouve que la petite, elle a le sida. Elle devait avoir à peine 12 ans. Donc les gens ont commencé à parler, mais la petite n'a aucune activité sexuelle. Elle, là, ça fait quand même plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle est arrivée très jeune. Quelle maladie elle a bien pu avoir jusqu'à ce qu'elle puisse être séropositive. Eux, ils ne comprennent pas. Donc la maman, elle a commencé à chercher aussi au niveau des prières et tout. C'est ainsi qu'il y a eu un serviteur qui est venu à Paris ici, un homme de Dieu, de Côte d'Ivoire, qui est venu à Paris ici. Et ce jour-là, elle est venue avec sa fille et son mari, le Blanc. Et quand ils sont venus, le monsieur a dit que la fille est dans la sorcellerie. La petite, au début, elle voulait nier, mais après, elle a reconnu qu'elle était dans la sorcellerie. Elle a dit, le monsieur lui dit, bon, si elle veut qu'il la délivre, il faudra qu'elle passe aux aveux. C'est ainsi que la petite va vraiment avouer qu'elle est dans la sorcellerie, que sa maman les a initiés, elle et son petit frère, et qu'ils étaient venus pour. Ils avaient pour mission de venir en France pour détruire la femme. C'est-à-dire que, comme au niveau d'Abidjan, ils n'ont pas pu, la maman, les prières dérangeaient leur grand-mère, c'est-à-dire la maman de Sarah. Donc ici en France, ça aurait pu être facile. Mais sauf que ici en France aussi, elle a commencé à prier. Donc eux aussi, à leur niveau, ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. C'est là maintenant elle va expliquer que le jour que sa maman était venue de l'église et puis on s'est déshabillé, elle a failli s'étrangler là. Elle dit que c'était elle qui est venue de manière invisible prendre le collier que sa maman avait porté pour serrer son cou. Elle a serré son cou, la maman se débattait, mais en tout cas elle a serré son cou et il y a un ange qui est apparu et l'ange l'a tapé. C'est là maintenant elle a laissé sa maman. Effectivement, la femme elle avait eu vraiment des traces sur le cou. Maintenant, elle continue ses aveux et puis elle dit que le sida même qu'elle a eu là. En fait, sa grand-mère est venue une fois à Paris.
avec une seringue remplie de sang contaminé. Et que c'est ce que sa grand-mère lui a remis pour qu'elle puisse piquer sa maman et ainsi sa maman sera séropositif. Donc, au moment où elle s'apprêtait à piquer sa maman avec la seringue, et l'ange est apparu, l'ange lui a dit, ne fais pas ça. Elle dit, elle a fait semblant de s'arrêter. Et puis, à un moment donné, elle s'est précipitée. Où est partie piquer sa maman? L'ange l'a tapé. Donc, quand l'ange l'a tapé, la seringue l'a piqué elle-même. C'est ainsi que le sang qu'elle devait injecter à sa mère est rentré dans elle, son corps. Voilà pourquoi elle est devenue séropositive. C'était ça, c'était devant tout le monde. La petite l'a passé aux aveux, comme ça. Tout le monde était étonné. Parce qu'elle disait, non, il fallait qu'elle fasse des aveux pour qu'on la délivre. Donc c'est comme ça que le monsieur a prié pour la petite. C'est pour dire quoi? Comme je dis et je répète à chaque fois, le sorcier, elle est jusqu'au boutiste. Il y a pas, et une fois que les enfants sont dans la sorcellerie comme ça, là, on fait détourner leur cœur. Ils n'ont plus cet amour-là qu'ils ont pour leurs parents. Là, il n'y a plus. Ton enfant qui est sorcier devient ton ennemi. Et ce qui est paradoxal, c'est que Dieu aussi, dans toute sa magnanimité, il n'aime pas nous faire souffrir. De toute façon, quand ton enfant est sorcier, là, c'est vraiment difficile. Les anges, comment les anges travaillent avec eux? Les anges les encouragent à quitter, à quitter, à quitter. Si l'ange a tapé la fille, c'est parce que ce n'était pas la première fois. C'est ainsi qu'elle-même est devenue séropositive. Sa maman était assise là. Donc le monsieur demande, le pasteur demande au monsieur blanc s'il croit. Le monsieur dit, ah, je suis obligé de croire. Quand son frère parlait, je n'ai pas cru, mais elle, c'est qu'elle est en train de dire avec les preuves médicales qu'on a. Je suis obligé de croire. Donc voilà, c'est un peu compliqué cette histoire de sorcellerie là, parce que c'est ceux que tu aimes qui te nuisent. C'est aussi sûr que maintenant, là, même ton voisin peut tenir en sorcellerie. Il n'y a plus de cette limite de sang là. Mais c'est encore plus désolant quand c'est ton propre sang. Et encore comment? C'est la mère qui détruit ses petits-enfants à cause de sa fille, en voulant tellement détruire sa fille. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour la première histoire. Incroyable! Mais vrai! Ha 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 ha! Alors que ça ne fait que commencer. Sur Nyonsupon, abonnez-vous, likez, partagez.